bienvenue à la cathédrale des rêves. Donc, une soirée en compagnie de Elsa Morante et de Joël Barbieri qui va vous lire des textes. Alors, les textes que vous allez écouter sont tirés du journal intime de Elsa Morante qui s'appelle Le territoire du rêve. En italien, Diario 1938. Un texte que Elsa Morante a écrit à l'âge de 26 ans, en 1938, une année très particulière pour l'histoire de l'Italie, puisque c'est en 1938 que sont publiées les lois raciales qui limitent les libertés des Italiens de religion juive. Et Elsa Morante était elle-même juive, puisque sa mère était une institutrice de religion juive. Elle a écrit ce journal intime, entre les mois de janvier et de juillet 1938. En y écrivant ses rêves et ses réflexions sur la littérature, sur le rapport au monde. Alors, deux mots peut-être sur Elsa Morante pour ceux qui ne connaissent pas cet auteur. Actuellement, elle est considérée comme l'un des auteurs les plus importants de la littérature italienne du XXe siècle. Et elle a, comme je vous ai dit, 26 ans au moment de la rédaction de ce journal. Elle n'a presque rien publié en 1938 et elle vit dans une situation qu'on peut qualifier de pauvreté absolue, avec beaucoup de difficultés économiques. Donc vous verrez que dans les lectures, dans les textes que Jean Barbieri va vous lire, revient constamment cette idée du besoin de l'argent. Et pourtant, ce journal contient déjà tous les thèmes que Elsa Morante exploitera dans ses romans les plus importants. Menzogna et Sortilège, Mensonge et Sortilège, L'île d'Arthur, La Storia et Arachel. Mariée avec l'écrivain Alberto Moravia, Elsa Morante devient un véritable écrivain dans les années 50 et 60. Elle est au centre d'une vie culturelle romaine très importante. Autour d'elle se retrouvent des écrivains comme Alberto Moravia, son mari, Pier Paolo Pasolini, mais aussi des réalisateurs comme Luchino Visconti, Bernardo Bertolucci, et des peintres comme Giuseppe Capograssi, dont vous verrez quelques peintures pendant la lecture. À l'occasion du centenaire de la naissance de Elsa Morante est née en 1912, donc l'Italie rend hommage à cet auteur important, par une série de manifestations, dont une exposition à la Bibliothèque nationale de Rome jusqu'au 31 janvier, pour ceux qui auraient la chance d'aller à Rome. Et surtout, ces dernières semaines, la maison d'édition Einaudi a publié sa correspondance qui s'appelle L'Amante, hein, lettre de Elsa Morante. Alors, deux mots sur Jeanne Barbieri qui va vous lire ses textes. Chanteuse et comédienne, elle fait partie de la compagnie Villa Théâtre.
elle a à peu près le même âge que Elsa Morante quand Elsa Morante écrit ces textes. Et donc je remercie Jeanne d'avoir accepté de lire ces extraits. Vous pourrez vous la remercier vous-même à la fin de la lecture. Nous ferons circuler un petit chapeau si vous voulez voilà, remercier Jeanne pour son travail. Voilà, nous ferons circuler un chapeau. Alors, une petite information, ce spectacle dont c'est vraiment cette lecture dont c'est la première fois que nous présentons pour la première fois, sera représenté, sera reproposé au mois de juin, juin 2013, au Hall de Deschard, dans un festival, alors le festival sans titre, mais poétique. Voilà, alors je laisse la parole à Jeanne Barry. Rome, 7 mars 1938. Je suis dans une salle d'un petit théâtre. Une compagnie d'acteurs amateurs doit jouer un drame. Peut-être comme les feuilles de Giacosa. Mais il y a si peu de gens et si bruyants que les artistes ne se décident pas à lever le rideau. Je sors et quand je rentre, le spectacle a débuté. Certains spectateurs traînent leurs chaises quasiment jusque sous le nez des acteurs, les fixent au visage, critiquent leurs gestes et leur maquillage. D'autres, dans le fond, continuent à causer de leurs histoires sans s'occuper du tout de la représentation. D'ailleurs, à les compter tous, ils ne sont pas plus de 8. La salle est basse, en désordre. Par certains détails, elle ressemble à une église. Sur la scène qui se prolonge à angle droit de chaque côté et qui donne à voir sur le devant une table de cuisine, on représente, je crois, la décadence d'une famille. Nous ne sommes encore qu'au premier acte. Et bien que déjà le désordre soit patent dans cette famille, il y a encore de l'affection entre les conjoints et de la grâce dans ce bambin barbouillé. Je repère parmi les acteurs des connaissances. Le mari est Guelfo S., toujours aussi poli, le cheveu ras, jusque sur la nuque, un peu timide. Ensuite arrivent d'autres personnages, un métayer, le chapeau en arrière, un type avec des moustaches, la figure rougeaude, qui tremble et s'embrouille. Balourd. Je pense, quelle chose idiote, la honte. Moi, je n'aurais plus honte de jouer. Mais bien vite, le bavardage à voix haute des spectateurs couvre le jeu des acteurs qui ne travaillent plus que pour leur propre compte. Personne ne leur prête attention. Dommage, pensais-je pour ma part, tous ces costumes 14e siècle si beaux, ces belles enfants en robe empire, et pour rien. Famille. Rome, 21 janvier 1938. Réminiscence de rêve. Hier soir, je suis allée au lit avec la sensation de quelqu'un qui va au-devant d'aventures inconnues. J'y suis allée tout de suite après dîner, exprès. Il suffit en effet d'un rien, un peu plus ou un peu moins de nourriture, une quantité différente d'aliments,
une dose déterminée d'alcool, enfin de légères variations dans les sensations de la journée, pour changer les visions de nos rêves. En me réveillant, pourtant d'abord au point du jour, et puis un peu plus tard, je ne me rappelais pas avoir rien rêvé. Ou mieux, j'avais l'impression que quelque chose, cette nuit aussi, s'était passé. Je ne sentais pas derrière moi un espace vide, mais des événements, des parcours. Il me semblait en outre avoir rencontré encore Alberto cette nuit. Mais j'avais beau faire des efforts, je n'arrivais à me souvenir de rien. Plus tard, tout en déjeunant, il m'est advenu de songer à S et à la plante qu'il m'avait offerte. Soudain, en un éclair, j'ai revu le lieu et la pensée du rêve. J'étais dans un jardin, précisément celui de ma mère, devant la maison. Comme les lopins de terre des fleuristes, ce jardin était encombré de pots, avec ses splendides fleurs roses, pleines et molles, que l'on met dans les salons. J'ignore leur nom. Avec un désir énorme, je fixais un de ces pots et je suppliais ma mère de me le donner. Elle en avait tant. En échange, si elle voulait, je lui aurais offert la longue plante grasse de S, qui ne donne pas de fleurs. Ma mère, d'un léger mouvement de regret aux lèvres, disait que non, qu'elle ne pouvait pas se séparer d'une plante. Mon désir augmentait, tellement qu'une fois réveillée, il m'est resté l'impression de la tendreté molle, de la douce couleur de cette plante. Ma mère, avare, secouait le chef. Voilà, pensais-je, il n'existe pas un seul être au monde disposé à faire pour moi, fût-ce le plus petit sacrifice. Qui m'a donné ce qu'il avait en trop, les miettes de sa table. Je note que souvent dans l'état de veille, j'ai eu cette pensée. Me saisissait un tourment aigu pour ce manque d'amour, et quant au rêve, pour le moment, je ne me souviens de rien d'autre. Mais j'ai certainement eu d'autres rêves cette nuit. Par exemple, j'ai vu Alberto, bien que je ne me souvienne pas comment. Rome, 2 février 1938. Cette nuit, vraie fantasmagorie de rêve. En une unique nuit, j'ai voyagé dans de multiples lieux. J'ai changé de maison et de pays. J'ai vécu miracles et guerres. Avant tout, j'étais avec Alberto devant une grande mère. C'est peut-être à partir de ces deux seuls mots, prononcés l'autre soir à propos d'une de mes aventures et qui ont plu à M, qu'est né le rêve. C'était une mer merveilleuse, et sa couleur provenait sûrement de la lecture faite hier de Rimbaud, où l'on parle d'eau infusée d'astres. Elle était à la fois nocturne et matinale, toute nacrée, tantôt l'eau se soulevant découvrait une plaine herbue, tantôt on ne voyait que la plaine, mais si l'on détournait les yeux un instant, en regardant de nouveau, apparaissait l'eau merveilleuse. Une tempête se lève soudain. Ses flots couleur de perles se hissent. Je suis terrifiée parce que là-bas, au fond, se débattent des voiliers et à l'intérieur de ces voiliers se trouvent mes proches, il y a ma mère. Les voiliers disparaissent, peut-être engloutis. Mais voilà que ma mère vient à notre rencontre en marchant sur l'eau. Elle porte une robe noire à manches larges et qui flotte derrière elle. Elle est plus grande qu'en réalité. Rome, 18 février 1938. Vallée de la petite prostituée. Je suis dans une plaine pas très étendue, en friche, avec de rares mauvaises herbes, et au centre, dans un semblant de jardinet public, quelques bancs de bois.
Je parle à Yol M, qui a son air amer, agaçant, déçu, des derniers temps où elle était à Rome. Sur ces entrefaites, s'approche une fillette. Elle ne fait pas plus de 12 ans, presque rachitique. Son visage est un peu flétri, plutôt moche, sous des cheveux légers d'un blond foncé, fort bien repeigné, avec encore l'odeur du coiffeur. Lise un peu, me dit I. Celle-là dépense 20 lire par jour de coiffeur. Elle en gagne 38. Dans sa voix, il y a un léger mépris, mais aussi une certaine envie. Si petite, ajoute-t-elle, et habillée de manière si recherchée. Elle a en effet deux renards bleus sur le dos, et s'étant rapprochée de nous, d'un air grave et pénétré, elle nous fait voir qu'ils vont jusqu'à bouger les yeux, et si on leur secoue à peine la tête, les oreilles aussi, quasiment invisibles. La fillette a une robe de soie claire, avec une manière de mantelet manchereau de la même soie. Mais maintenant, je vois que cette fille est enfermée dans une pharmacie portable, une sorte de cage de verre avec des rayons remplis de petites boîtes et de petites bouteilles. Je pense. Pour les maladies vénériennes, mon Dieu, aller jusqu'à devoir se transformer en une pharmacie ambulante. Je gagne 58 lire par jour, nous explique-t-elle d'un air pédant. Et ces pilules servent à ceci, et ces flacons à cela. Elle nous explique doctoralement l'usage de certains organes internes, de certaines médecines. Et tu dois toujours rester là-dedans ? Je lui demande. Oh non ! Répond-elle méprisante. Et aussitôt, elle ouvre une porte de verre et sort. Un domestique me la porte. Elle se paie même un domestique, celle-là, pensais-je. La fille se promène avec sa petite face chiffonnée en l'air et cette morgue des femmes qui ont une garde-robe devant celles qui n'en ont pas, même si elles sont meilleures que les premières. Le jardinet central est plein de gens misérables qui passent sur des sièges les dimanches après-midi. La fillette, d'un nouvel air avili, bras ballants, paupières lourdes, s'assoit sur le bord d'un banc déjà occupé par des hommes mal habillés qui ne la regarde même pas et dont elle ne paraît pas s'apercevoir. Je pense. Voilà, pour elle, ce doit être un plaisir de rester seule ici en repos. Ainsi passe son après-midi. En attendant, je vois que debout, près d'un autre siège, converse I et deux soldats en permission dominicale, vigoureux, avec des têtes rayonnantes et rouges, des gants de fil blanc. Je m'approche. Les soldats rient joyeux, familièrement. Je pense. Cette I en est réduite même en soldat. Et je m'éloigne. On a beau faire, pensais-je. On laisse tout de suite comprendre qu'on appartient à une autre classe sociale. Cattedrali. Rome, 23 janvier 1938. Je suis dans une immense cathédrale, très haute, aux nombreux autels. Des gens plutôt modestes y déambulent. Je sens en moi un esprit ingénu, un peu fanatique. Il y a parmi ces gens une religieuse, petite, maigre et âgée, de celle qui porte une cornette. Elle a le visage sillonné de rides, des mouvements nerveux et lestes. C'est une hypocrite, une vicieuse. Elle cherche à user des paroles et des choses saintes pour satisfaire ses sens dégénérés et pervers. Un long escalier mène à un autel. Sur la première marche de cet escalier se trouve une minuscule idole en habit de prêtre, pas plus haute qu'un pouce. La religieuse l'indique aux fidèles avec des gestes théâtraux, l'adore avec des cris stridents. « Posez Dieu sur l'autel !» s'écrie-t-elle. Mais d'après ce qu'elle dit,
on comprend qu'il manque quelque chose à l'adoration juste et entière de ce Dieu. D'autres honneurs, d'autres gestes. À côté de la religieuse, à quatre pattes, sur le pavement de l'église, un homme lui présente son derrière. Se libérant avec un soudain plaisir de son envie, elle le frappe précisément là. « Voilà, » dit-elle. « Maintenant, oui, tout est accompli en ton honneur, bon Dieu. » Étouffé d'indignation, je m'avance. « Ne croyez pas, c'est une infamie. » Je crie en me tendant une impulsion ardente. « Ôtez Dieu des autels !» Mais au même moment, bien que pleine de mon énergie, je me sens enfant, plutôt craintive et humiliée. Tel un écolier qui se rebelle contre son maître, sévère et perfide. Toujours le 23 janvier 1938. Les rêves, quel miracle! Maintenant je comprends d'où est née dans le mien la grande et ombreuse cathédrale. Hier soir, discourant de l'art dans le roman et dans l'intrigue avec V, je me souviens d'avoir comparé, en passant, la construction du récit à une architecture, à une cathédrale, les scènes isolées aux vitraux. De cette parole fugitive est née cette immense cathédrale rêvée. Il suffit d'un mot, d'un regard de la journée pour pousser vers les indicibles chemins les aventureux voyages du rêve. C'est comme un fil ténu qui se compose en une fabuleuse dentelle. Serait-ce là le secret de l'art? Se souvenir comment on a vu l'œuvre dans un état de rêve, redire comment on l'a vu, chercher surtout à se souvenir. Car sans doute, inventer, c'est sans exception se souvenir. Rome, 2 février 1938. Tout à coup, je me trouve dans cet endroit inconnu et connu, une place à proximité de quelques ruines célèbres, peut-être le Colisée, ou, selon la mémoire du rêve, mais l'ai-je vraiment rêvé d'autrefois ? Je crois que oui. Je débouche toujours de manière inattendue, en venant d'endroits que je croyais situés très très loin. Étrange place. De grandes constructions avec des murs énormes, comme ceux du château Saint-Ange, avec des tours sans fenêtres. Derrière l'une d'elles apparaît une lune scintillante, telle qu'aucune lune jamais vue, avec autour un halo brisé d'une extraordinaire clarté. Où sont-ils ? Je le demande à une fileuse grasse, une femme du peuple, assise sur un siège de pierre qui dépasse d'une maison. Ce n'est pas la petite vieille des autres fois, avec sa capuche. Elle me dit, « Vous n'êtes pas au courant ? C'est comme les autres fois, là-bas, derrière la cathédrale. » Derrière la cathédrale, il y a un petit golf joyeux, des canons à moteur, des enfants qui se baignent, bien qu'on soit en hiver. Ici, c'est le jour, mais un jour bizarrement artificiel et festif. Je vois des chemisettes mouillées par terre. Ils sont tous rassemblés dans un très petit espace. Jolies barques et cabines d'une grande allégresse. Mais il y a la guerre. Et ce soldat de l'aviation qui se trouve dans une minuscule barque avec une fille, c'est la dernière fois qu'il s'amuse. Il faut qu'il parte un continent à la guerre. Je me vois dans des ruelles tortueuses, exposées au soleil, crépies, comme celles des villes arabes. Je débouche sur des rues désolées, parcourues par de longs rails, avec des herbes rares et sèches, sur un fleuve lugubre. Des ponts de ciment et de fer, courts et mal construits. Je vais ensuite dans une boucherie-rôtisserie pour acheter de quoi dîner. Je suis très pauvre. Sur moi, je n'ai que 2 livres.
Je demande un pied de cochon. Pas de pied. Alors, de la cervelle? Mais si elle coûte plus de 2 livres? Alors rien, merci. J'irai acheter 2 œufs. Je vais chez la chiromancienne. C'est une noble dame, grande, grosse et fastueuse. Au lieu de me lire la main, elle commence par m'offrir du thé. Des petits fours mignons font leur apparition. Goûtez, me dit-elle, ce gâteau fleuri. C'est une petite pâte feuilletée, légèrement huileuse, avec des dentelles dessus. Vient la femme de chambre, une grosse bonne fille en blanc et noir, et sur la petite table en désordre, elle pose un cabas ouvert qui montre des fruits menus, semblables à des nèfles rose-orange, tout ronds, frais et lisses. Pourquoi, lui reproche sa maîtresse, n'as-tu pas changé cet argent? Ce sont les 1000 lires que je lui ai donnés, moi. Il faut toujours de l'argent, idiote. Là, je me réveille. La chiromancienne avait des façons et des richesses que je lui enviais. Moravia. Rome, 25 janvier 1938. Hôte inconnu. D'où viennent les personnages des rêves? J'entends par là, non pas ceux qui, plus ou moins vaguement et fidèlement, représentent les personnages de notre vie diurne, mais les autres, les inconnus. Et certains, par exemple la religieuse de la cathédrale, ont un caractère bien défini, humain. Ce sont de véritables créations artistiques. D'autres, par contre, sont des visages qui s'impriment en nous-mêmes à l'état de veille, à cause de leurs traits étranges, un peu semblables aux visions de l'hallucination ou à des images reflétées dans une eau qui les rend spectrales. Cette nuit, en rêve, j'offrais un café à Alberto. Tu dois m'apporter ce machin-là, remarquait-il, insatisfait, en regardant le filtre. Mais peu après, prenant sa place à lui, un autre hôte était assis à une table que j'avais disposée dans ma chambre. J'étais fort soucieuse à l'idée de devoir lui offrir un repas. Cet homme était beau, en tenue balnéaire, pantalon de lin bleu et maillot, cheveux gris, un Français. Je le regarde venir par la fenêtre, il lève son visage. Comme il se détache, ce visage horrible, profond, qui le sculpte noblement, d'entre la foule des ombres. C'est un de ces hommes qui, à la pâleur du teint, à la gracieuse élasticité du pas, révèle une anormalité secrète. Telle la pédérastie. Mais la conscience de leur vice, au lieu de les enlaidir, comme elle le fait avec d'autres, leur donne une nonchalance, une aisance, presque une dédaigneuse supériorité. Je n'oublierai jamais ce visage tourné vers le haut. Rome, 5 février 1938. J'ai voulu dormir avec la saveur d'Alberto dans la bouche pour voir quel rêve je ferais. Rome, 17 février 1938. Jusqu'à 7h du matin, j'avais dit. J'avais bu trop d'alcool et de café, vu trop de gens. Anxiété continue et angoisse, de temps en temps l'espoir de faire de Via dell'Angelo une chose belle.
Dans la veille même, je vois en moi une silhouette de paysanne, avec jupe rose, chemise violette, châle blanc. J'arrive le matin, j'entends les bruits des automobiles, les cloches. J'ai la sensation de m'éveiller dans une ville étrangère où personne ne vous connaît. Et les sons presque étouffés par la pluie paraissent lointains, accroissent le désarroi et la solitude. En réalité, ne m'est-elle pas étrangère cette ville où je suis née? Qui vit pour moi? Personne ne pense vraiment à moi. Je ne peux me confier à personne. On demande une seule chose, être amusant. Alberto m'aime seulement quand je fuis. Mais moi, je ne peux le faire, je n'ai pas d'argent. Lui, il est célèbre et riche. D'ici quelques jours, il va à Paris. Par ailleurs, il reste toujours fermé, sombre. Lui ira à Paris pour son triomphe actuel, et moi. Une solitude épouvantable, je craque. Basta. Je me suis endormie pendant 2 heures. Je me trouvais dans une sorte de cottage, plein de gens. Le père de quelqu'un est mort en cet instant. Il faut attendre parce qu'ils doivent déjà faire les funérailles. On attend la bière. Mais Alberto ne veut pas. Il est fatigué. Près du petit portail de bois, il insiste pour s'en aller, et alors je le suis. Mais ensuite j'entre, seule, dans la grande église de pierre gris clair, luxueusement parée de rouge et de blanc. Je m'agenouille sur un prie-dieu couvert de brocart rouge. En attendant la bière, le prêtre dit la messe. L'église est immense, très haute et pleine de lumière. Rares sont les prie-dieux et rares les gens. Je regarde par-delà la sainte table, le vaste espace de marbre avec l'autel, où ils vont déposer la bière. Morte. Rome, 25 février 1938. La mort de K. Je suis allée me coucher vers minuit, mais de temps à autre, j'étais réveillée par les bruits, le boucan de la rue, sans doute parce que c'était jeudi gras. J'ai rêvé que j'étais dans une pièce qui ressemblait un peu à mon bureau, du moins pour la disposition de la bibliothèque, mais beaucoup plus vaste, tapissée de papier peint clair. Devant la bibliothèque, il y avait Filippo S. Pourquoi donc je me mets à rêver de Filippo S. avec ses petites moustaches et son air satisfait, blanc et gras. Et il remettait en ordre des livres. J'étais assise sur un petit divan, bas et jaune. Par terre, devant moi, se trouvait un tas de livres. J'étais jolie, ravissante, comme cet été, avec ma robe à fleurs au col et aux poches de taffetas, mon grand chapeau de feutre noir. Comme d'habitude, quand je me sens belle, je prenais des attitudes supérieures et assurais qu'il fallait. Je ramassais et jetais avec négligence les livres que j'avais devant moi. Mais en moi, il y avait une morosité bien particulière. Et Filippo S., qui, à sa façon idiote et égoïste, faisait de l'esprit, me donnait une sorte de nausée. Personne ne paraissait remarquer que là, contre le mur même de la bibliothèque, il y avait un lit, ou mieux, un berceau, tout couvert de voiles claires. Dans ce berceau luxueux, mourait Franz Kafka. «
Rome, 24 février 1938. J'ai rêvé que j'étais si pauvre que je cherchais à louer un lit dans une cuisine. J'arrive dans une petite cuisine le soir. Le fourneau allumé la réchauffe beaucoup. Un divan riquiqui est couvert d'une toile fleurie. Le mur jauni s'écaille près de la fenêtre. Une petite vieille, courte sur pattes, habillée en paysanne, une petite vieille poulette pleine d'odeurs ménagères, est la maîtresse des lieux. Pendant la journée, j'espère ce doit être ensoleillé, pensais-je. Mais comment écrire ici? Et bien que la cuisine ne me déplaise pas du tout, je ne la prends pas en location. En effet, la vieille m'a dit qu'elle est là, à y faire la cuisine, presque toujours. Je rêve aussi à Donna M, qui me met à l'épreuve pour voir si je vole. Nous sommes dans une pièce où se trouvent des berceaux, et elle joue bizarrement avec des bagues, je pense. De toute façon, je sais qu'elles sont fausses. Il semble que l'une d'elles soit égarée, mais je la retrouve, et honnêtement, je la lui tends. Elle paraît satisfaite. Dans les entr'actes éveillés, pensée continuelle pour cette chose-là. Mes flancs se dénouent sous la suavité de mon envie. Ces jours-ci, je pense souvent à la mort et il me semble impossible qu'elle vienne aussi chez moi. Viendra le temps où voir ces choses ne te pèsera, mais te sera plaisir, autant que nature te dispose à sentir. Rome, 22 avril 1938. C'était toute une histoire. Alberto ne voulait pas du tout en finir, mais maintenant c'est moi qui vais en finir. Fait étrange et mystérieux que de rêver aussi souvent en cathédrale. De grandes cathédrales et de grandes places semblables à celles de Pise, avec église et baptistère, mais grandes à l'infini, vertes de prairies, d'où s'élèvent Santa Maria del Fiore, San Giovanni et autres églises florentines à l'infini. Dans le rêve, architecture et musique se confondent. C'est une ville curieuse, Rome ou Venise. On monte par des escaliers étroits mais solennels, des escaliers de pierre aux arcades baroquement brodées, aux salons somptueux, avec petites places et cours en une manière d'alhambra. Ça et là, des constructions dures, ténébreuses, une sorte de roche tarpéienne, des cathédrales, des capitoles et des églises. Mais mon frère n'aime pas ça. Cette femme l'a crétinisée, crétinisée, criai-je avec dépit. Ne comprend-il pas cette musique? Une galerie sur laquelle dorment des petites salles et des appartements. Arrive Greta Garbo, grande, vêtue de noir, avec deux renards argentés. Une secrétaire lui ouvre. Le marquis de Sade est-il chez lui? Demande Greta, et tendant sa carte de visite. Certes, monsieur le marquis fait souvent dire qu'il n'est pas chez lui. Elle s'enquiert avec un demi-sourire pénétrant. Intéressant. Étrange, les yeux veloutés de la secrétaire qui brillent entre ses paupières. Dans la galerie déambulent des étudiants. L'un est renfrogné et se donne des airs. Il regarde à l'extérieur dans le parc de Schönbrunn. L'autre nuit, désespérée, je disais à ma mère, « Pendant tant d'années, je t'ai eu à côté de moi et je ne t'ai pas cherché. » Je cherchais Alberto. Mais lui, c'est qui? Un avare, aride, égoïste. Et toi, tu étais là. Tu étais là, mon Dieu. Je me suis réveillée en sueur, une douleur suraiguë au côté gauche.
Je me souviens d'avoir éprouvé rarement une pareille angoisse. Maintenant, j'ai la radio. Chaque soir, j'entends des musiques. C'est peut-être pour ça que je rêve de cathédrale. Thank you.